Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode de 14, eh oui déjà 14, de l'Empire de MDJ. Un let's play sur le jeu César 3, un vieux jeu qui est sorti sous Windows 98. Glissement de terrain toujours. Et donc nous nous retrouvons sur cette cité que j'avais très très mal commencé et qui relève la tête. Vu que j'ai 103 000 en argent et que j'ai atteint les 3 000 de population sur les 5 000 demandés. Donc on va repasser en vitesse minimale en 90%. Juste pour faire un petit bilan de la cité parce que je retrouve le lendemain. Oui c'est ça, le lendemain de l'épisode 13. Donc 3500. Ok, donc on a des. On est bon au niveau des impôts. On peut plus passer là, c'est rien. Donc on est bon partout. Donc c'est parfait. Ok. Là-dessus c'est bon. Ensuite on a la culture, la prospérité, la paix, la faveur. Là. La faveur, on n'est pas bien. On va diminuer un peu notre salaire. Juste pour bien se voir vis-à-vis de Rome. Et si ça suffit pas, on enverra un cadeau à César. Et là, on est tombé assez bas dans les demandes de l'empereur. Est-ce qu'il nous demande quelque chose d'ailleurs? Non. Nos ministres, enfin nos conseillers précisément, nous disent qu'il n'y a pas assez de logements. Donc je suis tout à fait d'accord avec eux. La nourriture s'épuise, même si on a des réserves. Et on nous demande plus de loisirs. Notez-moi d'un doute, on a du marbre. C'est ça. Et ben, on va se faire quelques cultes un peu plus importants. On va les faire à l'honneur d'un autre dieu, comme Cérès par exemple. Et on va se faire quelques lieux de culte comme ça, par là. Ici on va faire tout de suite, c'est une route qui s'en va vers ici. Comme ça on sait que on va faire quelque chose ici. Ici ils ont déjà un temple de Cérès, donc on va faire plutôt un temple de Vénus. On va pas pouvoir le caser, je suis sûr. Ici, ouais, ici. Enough! You will mock Caesar no more! Vous avez un moment pour remonter votre estime à 35. Attendez, je lis entièrement pour ceux qui sont sur téléphone portable. Votre manque de respect envers l'empereur l'a mis dans une telle rage qu'il a ordonné une arrestation. Vous avez un an pour remonter votre niveau d'estime à 35. Ok. Donc on vous lui envoie un cadeau. Ça a coûté cher ça. Bon, allez, tant pis, on envoie un cadeau somptueux. On passe à 100% quelques secondes pour voir un petit peu ce que ça donne. On est en janvier 126 avant Jésus-Christ. Février. Ah, stop, on arrête là. On voit déjà ce que ça donne. Va. Enfin, on va peut-être envoyer un cadeau. Ça c'est dans la cité. Oh, c'est pas vrai. Encore un cadeau somptueux. Mars, on va aller jusqu'en mai. Avril. Mai. Pas sympa mec. Je réduis encore mon salaire.
juin, on va aller jusqu'en juillet. Oups, j'ai été jusqu'à août. J'espère que ça ira. 25. Je repasse à 12, j'y renvoie un cadeau. J'y envoie même deux cadeaux. Allez, hop. Septembre, octobre, novembre. 29. C'est pas vrai que je vais me faire baiser à cause de ça. Putain, mais tout en nickel et je vais me faire arrêter pour ça, quoi. Mon chrono, j'arrête, j'ai oublié de lancer mon chrono. Je sais même pas où est mon téléphone. Bon, attendez, hop. Ok, okay d'accord. Bon, je regardais juste. Ça va être à ma montre. Je vais faire un petit peu ça à la YOLO. Non, je suis baisé. Et merde. Bon, bah, c'est fini. Non, on va essayer un truc. Que ça va pas le faire. Non, on est en train de se faire défoncer. Ils sont très très forts là, l'armée de César. J'en ai eu quelques-uns apparemment. Oh là là, César il va nous tuer. C'est sûr, César il va nous tuer. Bon, grande dépression, donc eux on en parle même pas. Défoncé quoi. Bon, attendez. Ce qu'on va faire rapidement. C'est qu'on va construire les forts qui nous manquent. J'y crois pas. C'était la première vague hein, de César. Hein. C'est franchement pas énorme. Mais je suis sûr qu'on va pas tenir longtemps de toute façon. Il va nous renvoyer une deuxième vague d'ici peu et puis on va. Ça va très très mal se passer pour nous. C'est la première partie, je crois que ça m'arrive. Parce que d'habitude, Eagle, bon bah c'est à cause des sous ou des trucs comme ça, parce qu'on répond pas assez à ses demandes. Bon ok, déjà le. Bon eux. Ils sont prêts au combat, eux c'est pas un problème, eux
Ils sont en faiblesse, mais c'est à l'heure de... d'aller un petit peu mieux. J'attends de voir le mot Silver, qu'est-ce que ça veut dire. Je suis sûr que ça va. Janvier. C'est sûr, on va se faire déboîter de questions. Pourtant, mon niveau de paix a pas diminué, ma prospérité a augmenté. Ah non, c'est la faveur. Ok. On va quand même essayer de lui renvoyer un petit cadeau. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup que j'ai réussi à le calmer. Hein. Je suis en stress là, je vous dis même pas. Bon, on va essayer de faire comme si de rien n'était. Le niveau de culture augmenté. On en était à mettre des temples un peu partout. Oh, je suis en stress, hallucinant. Bon, je suis un petit peu trop en immersion dans le jeu. La population continue à arriver. C'est plutôt bon signe. C'est bon, la faveur est repassée à 37, donc ça devrait être bon. Aïe aïe aïe. Bon, on va essayer de refaire la population. On va essayer de faire une population de haut standing pour voir un petit peu, même si ça va être un petit peu près de des indigènes. On va essayer de faire ça. De la population de haut standing près des indigènes, ça serait énorme. On va se mettre en vitesse minimum pour faire ça. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire se mettre les cartes des zones en pied. Les pizzas. Un terme, un hôpital. Un grand temple de... On n'a pas fait Mars encore. Allez, on va faire un grand temple de Mars. On voit tout en grand. C'est pas compliqué. Université. Un amphithéâtre. On voit tout en très grand. Le marché, évidemment. Petit forum parce qu'il faut quand même qu'il paye des impôts. Oh non, tiens, carrément. Payer des impôts avec ça. Bah quoi, je peux pas le trouver? Oh, tu déconnes. Ah non, c'est parce que je suis encore. Parce que j'ai annulé le forum alors que. Ok. Oh, le nul. Je vais le poser à la place du forum. Bon, attendez, on va passer sur autre chose en attendant. Distraction. Là, franchement, avec ça,
Ok. Okay. Ah oui, par contre, j'ai vu aussi un truc, c'est que à la partie précédente, j'avais fait une petite bêtise. C'est que dans les risques, c'était la criminalité qu'il fallait que je voie. Et pas les problèmes proprement dit. Ok, donc ici, ça manque de nourriture apparemment. Ok, ici tout se passe bien. Ici je sais qu'on va pas tarder à manquer cette main d'œuvre à mon avis. C'est les poteries qui manquent. On va essayer de faire un truc. On manque de travailleurs. Faire évoluer comme ça. On va juste créer un atelier de poterie pas très loin de chez eux. Clairement, dès que la poterie arrive, elle va mettre une distribution sur le marché. Bon, de toute façon, ça va pas tarder à arriver chez eux. Ont évolué, donc c'est super sympa. Ok, on est à 3300 citoyens, on est à 124 000 population. L'empereur est mécontent. On va se remettre notre salaire quand même et puis on va envoyer un cadeau à César. Non, on aura grillé toutes nos économies à faire plaisir à César. Alors normalement j'ai baissé le son du jeu pour qu'on soit plus pour voir pour qu'on m'entende plus. Oh, ils sont... ils veulent. Peut-être cause
anniversaire du passé, de plus c'est l'anniversaire du secteur. On va le mettre en vitesse. Oh oui. Oh ils sont contents. Des meubles. Ah oui c'est ça, il fallait importer du bois pour faire des meubles. Ouais. Soit on pourrait. Oh oui c'est vrai, ça c'est fou aussi. C'est comme ça qu'on régule la nourriture, c'est qu'il faut des à proximité des marchés pour pouvoir redistribuer la nourriture. Ok, bah résultat, on va faire là où on en marche.
Normalement, dans les problèmes, ils disent les secteurs qui manquent de population. Il y a une terme là. Oh, pas d'où. Automatiquement. Voilà. Ils sont contents, ils sont contents. Et ils disent qu'ils vont passer pour partir. Bah je pense qu'ils vont se démerder. Et je suis aussi d'avis à ce qu'on se refasse des fermes et une nouvelle zone de population. Si on peut. Parce qu'après pour amener de l'eau par là, accroche-toi Jeanne. 3600 population, on arrive aux 200 000 en argent. On a rééquilibré encore le... Hein, donc vous voyez, vous pouvez voir la trésorerie de la cité s'élève à... Et puis vous avez le nombre d'argent que j'ai actuellement, donc qui est de 113 839 denarii. Il reste 3 minutes de vie de loin pour aller. Approximativement, parce que j'ai regardé la approximative. Donc, les montants, c'est de toute façon ce qu'on nous demande, c'est des meubles. Donc, on va. On va la faire là, tiens. Ouais, on va faire ça là. On va se mettre au ralenti pour éviter les entrepôts que je vais mettre. On va juste faire ça, l'industrie du meuble, avant de... Alors... Atelier de meuble. On va carrément faire 5. Et deux entrepôts. Un entrepôt spécialisé dans le bois. Cherchez bien. J'en suis où niveau bois d'ailleurs? Oui, il faut peut-être que je demande l'apport. Justement pour accepter les meubles. Donc les meubles ce sera de toute façon pour notre population. Il me semble que de tête on ne les revend pas. Ouais. On va accélérer ça, voir comment ça se présente. Accès difficile à la main-d'œuvre. Donc c'est un poil trop loin là. Et ici aussi. Ça devrait arriver quand même. De toute façon, on manque de population. Donc, mais ici, ça devrait évoluer. En évoluant, la population augmente et donc ça va, systématiquement rééquilibrer. Ou alors, on se recrée une zone ici. Oh, lui, c'est parti. Oh,
On peut construire un hippodrome aussi, mais bon, on construira certainement plus tard. 3700 population, 222 000 en argent. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous désirez. Et sur ce, je vous dis à bientôt.